absolument à faire cette déclaration. En fait, il s'agit d'un point de vue que je tenais nécessairement à formuler suite à la déclaration qui me semble historique faite par le président Son Excellence Diomaye Faye à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. C'était son premier discours, sa première déclaration aux Nations Unies. C'est une déclaration inspirante. C'est un leadership panafricain qui donne l'espoir à l'Afrique et qui donne l'espoir à l'humanité. Pour illustrer mes propos, mon point de vue, je veux prendre quelques extraits de son discours qui me semble fort, puissant, qui donne l'espoir à l'Afrique et qui encourage aussi ceux qui ont soutenu sa candidature, qui ont soutenu PASTEF lors des dernières élections présidentielles au Sénégal. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir apporté ma modeste contribution pour cette brillante élection. Le discours qui a été fait par le président Diomaye Faye aux Nations Unies donne l'espoir à ceux qui pensent que son leadership du PASTEF, peut effectivement contribuer à un panafricanisme responsable, positif et constructif et qui donne l'espoir à l'Afrique. Quelques extraits de son discours. Les inégalités économiques et les rivalités entre les puissances étrangères qui compromettent la paix, la sécurité en Afrique. Un autre extrait, la paix, c'est aussi la possession. Extrêmement important. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se loger, de se nourrir, de s'éduquer et de recevoir des soins. C'est ça aussi la paix. Sans des soins, sans une éducation pour tous, sans la santé, sans des soins, sans la possibilité de se loger, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas la paix au monde. Nous ne pouvons plus accepter que les nécessaires, que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de produire des inégalités. Il est temps de corriger les injustices économiques qui freinent le développement de nombreux pays du Sud. Voilà quelques extraits de ces discours qui me semblent extrêmement puissants, qui a été prononcé à l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion de sa première prestation devant cette auguste assemblée. Ce discours est arrivé au bon moment, au moment où certains, peut-être par ignorance, peut-être par mauvaise foi, qui commençaient à faire le procès de Monsieur Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, et puis le procès, un faux procès contre le président Diomaye Faye, le procès contre PASTEF, comme quoi PASTEF, Diomaye Faye et Monsieur Ousmane Sonko auraient trahi. Je pense qu'ils prendront le temps d'observer la politique qui a été mise en place par Diomaye Faye. Moi, je ne parle pas de la politique nationale qui relève de l'appréciation de nos frères et sœurs du Sénégal. Mais je parle de cette vision panafricaniste qui est une vision responsable, qui est une vision positive, qui est une vision constructive également. Je redonne ma confiance à cette équipe de jeunes dynamiques, des jeunes patriotes, des jeunes panafricanistes qui aiment le Sénégal, bien sûr, leur pays, mais qui aiment aussi l'Afrique. Donnons le temps à cette équipe pour redresser d'abord leur pays afin d'asseoir leur leadership panafricain, leur leadership africain. Nous avons besoin de leur victoire au Sénégal pour pouvoir effectivement répandre leur vision africaine partout en Afrique. Vive l'Afrique unie, vive l'Afrique solidaire et vive l'Afrique humaniste.